grand jump bien haut, pim, pim, pim. Ouais, ben ça fait du bien. On travaille les jambes, la plio, ça fait plaisir. 2, 1, ok, 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 hop. Comment me présenter une gardienne qui aime beaucoup parler sur le terrain, qui communique beaucoup avec sa défense, qui essaye d'être présente dans les duels aériens et d'être décisive dans les matchs et beaucoup de communication surtout. Ah, les deux passages précédents, tu étais vraiment rivée sur tes appuis ici, les yeux en bas. Là, tu t'es libérée un petit peu vers le haut. C'est... J'aime bien, ouais, en dehors de la surface, jouer assez haute pour soulager la défense des fois. Enchaîne. Après, c'est pas le même style. Ah merde, oui. Ta première chose à faire, c'est profiter d'être entourée par les meilleures joueuses françaises, profiter pour emmagasiner de l'expérience, pour apprendre à côté de ces joueuses, et je pense que déjà, c'est une bonne chose. J'ai quelques repères, notamment avec mes coéquipières de Bordeaux. On est 5 aujourd'hui, on est assez bien représentés, donc ça aide forcément pour l'intégration, ça aide à se sentir à l'aise, et je pense que c'est important pour une première convocation. Ce qui m'a marqué, c'est déjà l'accueil. Je trouve que quand même, elles m'accueillent très très bien, elles sont toutes accueillantes avec moi, elles me demandent si ça va, si je me sens bien, donc c'est vraiment bien. Je suis happy, je suis heureuse et voilà, j'ai le sourire depuis ce matin, donc c'est cool. Ouais, je l'ai appris avec mon staff et l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Voilà, veille de match sur un terrain de football, il n'y a pas mieux je pense. Et très heureuse d'être là aujourd'hui, contente, et il n'y a plus qu'à prendre du plaisir et jouer mon football. J'ai été sélectionnée dès la première fois en U16. Voilà, l'objectif c'est ça, c'est toujours monter plus haut, toujours aller chercher le plus haut. J'espère apporter à ma vitesse et voilà ma motivation déterminée tous les jours pour que ce soit à l'entraînement ou pendant un match. J'ai fait 3 ans ici au Pôle Esport à Clairefontaine. J'étais vice-championne d'Europe en U19. De rattraper justement en équipe de France A maintenant, c'est que du positif, que du bonheur. En prime, il y a 2 matchs, donc on espère 2 victoires. On ne peut pas rêver mieux, donc l'état d'esprit est très bon. Hein. J'ai fait le championnat d'Europe U19, où on a gagné en Slovaquie en 2016. Puis en 2017, on a fait demi-finaliste avec les U19. Et en U20, on a fini 4e de la Coupe du Monde U20. Déjà, le château, c'est une première étape, je pense, quand on arrive en sélection. C'est assez impressionnant de rentrer dans ce château. On voit tous les noms qui ont défilé ici, donc forcément, c'est assez impressionnant de savoir qui a dormi dans la chambre où on est. Donc voilà. Premier pas dans le château, je me suis perdue déjà. Donc voilà, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui et je vais kiffer le moment présent, comme dit la coach. C'est une grande fierté, un honneur d'être ici, donc voilà. La compétition vient vite, c'est la rentrée pour nous, mais va falloir être prête pour ces 2 prochains matchs, parce que c'est des matchs à enjeu, donc voilà.